Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure sur Dead Space 2. Évidemment, souvenez-vous, on avait fait tout ce chemin. On avait un... comment on appelle ça? Un générateur, voilà, une grosse batterie à mettre en place. On avait tué 2-3 man et ça, ça faisait plaisir. Et on devait évidemment tout fouiller en sachant que ici on a un établi qui mène à un cul-de-sac. Et ici on a un journal textuel qui n'a pas été pris en compte parce qu'il me semble que je vous l'avais fait lire lors du précédent épisode. Vous l'aurez compris. Allez, c'est donc parti. Notre objectif est donc d'aller à l'ascenseur, me semble-t-il. Pour cela, hop! Rien de plus simple que de mettre notre batterie dedans. Et bah écoutez, c'est toujours parti hein. C'est toujours parti hein. Je sais pas trop ce que j'ai allumé. On verra bien. La surprise se jouera en haut, me semble-t-il. Ok. Ok, 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 ok. C'est parti. Ah, ah. Les gars, c'est chiant. C'est chiant. Déjà l'ambiance n'est pas des plus folles. Ok, je rappelle qu'on venait de casser la gueule au Léviathan. Ok, super, c'est un sous-goy de fou. Allez, je vais vous laisser lire, évidemment. Je rappelle que c'est du lore. N'hésitez pas à mettre pause. Les résultats ont dépassé les espérances et voici donc la fin. Ok, super. Superbe, superbe, superbe. Ça, mon petit pote, je prends et je me le mets si je puis me permettre. Ça, on va le ramener vers là-bas. Sur un malentendu, ça peut être utile. Ça, je prends ça. On va le ramener vers là-bas. Sur un malentendu, ça peut être utile. Accès au lancement verrouillé. Veuillez contacter le responsable d'Alas pour obtenir une autorisation. Ah. J'ai enfin réussi à accéder au système du pompage. Ah, au commandement. Non, les tubes de lancement sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Alas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple, sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la valise de détresse là-bas. Les gars, ça fait beaucoup de... J'espère que ces dysfonctionnements t'empêcheront pas d'y arriver. Ce sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Merde. Bon. Je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. Ok. Et l'autre fils, là, il pouvait pas me donner direct le haut commandement dans les autorisations, là, cet enfoiré. Trouver la balise de détresse. Et les gars, la seule personne en détresse ici, c'est moi, sa mère. Ok. Ok, let's go. Rien à péter, je trimballe ça avec moi partout. Rien à péter, te dis-je. Okay. Ouais, je l'emmène avec moi partout, j'en ai rien à foutre. On va pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Ok. Oh non. Attends, ça c'est des gars, je s'en branle. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais... Corde lâche. Okay. Bon, je suppose que c'est par ici, hein. Ah, l'ambiance, elle est bizarre ici, hein. Ok, pose-toi là, mon ref. Ah, vache. Ok, on va te poser délicatement. L'ambiance est... Stranger Things. Ah non! Oh, je suis un connard. J'ai gâché tous mes espoirs. Putain, en plus, c'était pas par là. Ok. Bon. Ok. Ah, de toute évidence... Ça va pas bien se passer cette histoire. Et le commencement allait finir à mal, mon pote. Die. Ouais.
Changement de tuyau, on sait jamais, les gars. Je connais ça, ça tombe vite. Oh non, bah ouais, faut que j'aille à un autre étage. Oh les gars, vous êtes relous là par contre. Ça, c'est vraiment pas cool pour des joueurs professionnels comme moi. Je vais encore me faire casser la gueule à chaque fois qu'on va prendre cet ascenseur. Il va y avoir cassage de bouche ou pas? Vraie question que je veux poser là. C'est juste au-dessus. Non, vraie question que je veux poser là. Répondez-moi. Que quelqu'un me réponde. C'est juste là. Ok, ça flotte. Je crois que c'est pas prévu pour flotter. Ok, je préfère. Je préfère qu'on se foute, qu'on me prenne pas pour un con et qu'on se foute pas de ma gueule. Bonsoir. Yo les gars, ça va ou quoi? Ok. Liz, c'est Jacob. J'ai pas réussi à te joindre. Mm-hmm. Si tu trouves ce message, je suis plus sur le pont, mais je reviendrai vite. J'ai reçu l'appel d'un autre survivant, il avait l'air terrifié. Ah, je suis terrifié, moi, mon ref. Hein. Si aller le chercher. On a le temps avant la fenêtre de lancement, de toute façon. Et il a l'air de valoir le risque. C'est un médecin du nom de Mercer, je crois. Mais... j'espère que ce sera bien pour terme. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dans cette situation compliquée, je commence à aimer tout le monde, les gars, moi. Ok, chacal. Qu'est-ce qui peut faire ce bruit-là? L'ambiance est étrange. Ça, je l'emmène partout avec moi. Hein. C'est mon nouvel meilleur ami. C'est mon nouveau meilleur ami. Je ne sais pas parler. L'ambiance est très étrange. Ah! Je rigole, frère! Oh putain de merde. Ça va? Finalement, je l'ai utilisé plus vite que convenu. Ok, là il n'y a plus rien. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, chacal. Oh la vache, ok, 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 ok. I see. Ça, on va le reload à fond. C'est pas mal. Ah, vas-y, on va utiliser ça, les gars. Ça me paraît solide, chacal. Hein. Non, non, non. Ah, ah. Ok. Très bien. Oh, ça fait un t-shirt. Ok. Là on peut rien faire. Et faire rien. Rien à faire. Brûle, démon de Satan. Oh la vache. Ok, c'est les problèmes. Putain, y'a vraiment pas assez de mun hein, quand même. Foutez un peu de la gueule du monde. Demande de sécurité retrouvée. Oh putain, pose le safe. Ici Dallas, équipe de sécurité, sur le pont de forage. Kyle a pété un plomb. Restez, je sais m'en servir. Il passera pour le restant de ses jours si vous ne donnez pas les codes de la zone de chargement. Ici c'est la zone de traitement, pourquoi on aurait les codes de la zone de chargement? Je dois atteindre le monolithe. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donnez-moi les codes. Mon dieu, c'est ça que vous avez fait au capitaine? Non, non, Payne était un accident. Je vous assure que vous parlez à quelqu'un comme Mercer. J'ai essayé de vous sauver. Le monolithe est notre seul espoir. Bon, laissez-le partir, il est armé. La sécurité, putain. Ok, on va save parce que tu connais ici, faut toujours save mon gars. Bon, pour l'instant, ça sent un peu le caca, cette histoire, hein, vous l'aurez compris. En fait, vraiment, c'est ce que j'ai dit lors de l'épisode précédent.
Je commence à comprendre où est toute la puissance de Dead Space. C'est tout simplement dans son level design et dans son gameplay. Le jeu ne te laisse jamais tranquille. Mais genre jamais. Et ça en vrai c'est fort. Ok. On a pété, on va refaire un petit tour en arrière histoire de récupérer encore. Voilà, tiens, viens avec moi toi. Et ça c'est très très fort. C'est vraiment en fait c'est presque millimétré l'utilisation des munitions pour le coup. J'ai peur, putain, je me suis chié dessus. Ok. Ok. Oh non, fils de pute. Ça, frère, ça rend fou, je te le dis. Ok. Regardez, j'ai des munitions de rien. Regardez, ça va lâcher que de l'argent. C'est terrible. C'est catastrophique, en fait. Ça lâche que de la thune. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est... Moi, c'est donnez-moi. Donnez-moi des lovés, les gars. Vas-y, en vrai, je vais acheter. Hein. Je vais craquer de fou, hein. Je vais craquer de fou. C'est pas grave, hein. Je vois que ça veut pas jouer le jeu, ça veut pas être cool avec moi. Ok. Ok. Tu vois, j'essaye d'être cool, moi, frérot, tu vois. J'essaye d'être le gars in un peu, ok. Mais eux, ils me laissent pas tranquille. Déclencher la sécurité. La porte de la salle s'ouvrira quand la gravité sera restaurée, mais le système refuse de le faire tant qu'il reste des débris. Au moins, le laser de traitement fonctionne encore. Attends deux secondes. Je suppose que je vais jamais être tranquille. Anomalie 4, ok, j'ai bien compris. Impossible de restaurer la gravité en haut. Non mais attends. Ok, j'ai eu peur. Anomalie détruite. Ok. Moi bon, j'ai perdu quelques balles. Anomalie détruite. C'est bien ça. Oh! Ok. Ok, très bien ça. Oh non, les bâtards. Oh les bâtards. Hop. Oh non. Ok. Ok, très bien. Oh, il y en a jamais trop. Ok, attends, on se casse, ça pue le caca ici, ça pue la merde. Ok, j'ai compris. Ok. Ah, oh. Ça ricoche, on dirait du polystyrène. Les anomalies mouvantes ont été détruites. Ok. Let's go. On va restaurer tout ça. J'adore la gravité. Gravité restaurée. Superbe ça. Ah Ok.
Ok. Mais c'est pas vrai, frère. Oh non. Ok. Bien. Arrête les gars, wesh. Descends, frère. Je suis en train de baiser toutes mes munes pour toi, putain. Tu rends fou, mon ref. Vas-y, c'est trop, les gars. Ça, par contre, vraiment, ça dégoûte de fou. J'ai voulu toujours être sympa avec eux. Putain, faites des gosses. Ok, on va passer par là, au calme. Bon, bah écoutez, j'étais un petit peu dans un traquenard. Laissez-moi checker à quelle sauce je vais être mangé. Ça, on va récupérer les gars au-dessus, hein, au calme. Énergie plasma. Ah non! Ah non! Je n'avais point vu cela! Ok, ça me plaît ça. Ok. Parfait. Ok. Alors bougez pas les amis. Ça on utilise évidemment. Ok. Ça c'est pas mal ça. C'est par là je suppose l'issue de la sortie de secours. Ok. J'aime bien. Désolé mon pote. Oh, je suis passé niveau 3 que maintenant. Ici le responsable Dallas. Dernière entrée du journal. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pont inférieur. Mais je suis coincé aussi. Habilitation confirmée. J'ai vu ce qu'ils infligent à ces corps. Ce qu'ils deviennent. Que ça m'arrive. Il y a un mec qui... Il a fait quoi là, au bout du couloir? Au moins, si je n'ai plus de membres... Je ne pourrais tuer personne quand je serai infecté. Dites... Ah bon. Ah, il est courageux. À Dawn. À mes enfants. Il est courageux, le man, hein. Que je perde. Merde! Merde! Je peux pas! Hein? Allez! Plus qu'un! Tu peux le faire! C'est bientôt fini! Ok. Le rig de l'administrateur a changé de position. Tu l'as trouvé? Je l'ai. Je vais voir s'il y a la balise de Temple sur le pont inférieur de maintenance. Ok. Wouah, c'est chaud de fou! C'est chaud de fou. Allez. Ouais, moyen serein, les gars, hein. Ça bouge pas. Trouver la balise. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais enfin tout ça, ça fait balise. Rien à péter, je prends mon time. Oh, ça, j'avais pas vu ça, chacal. Ça, j'avais pas vu des petits coins comme ça, un petit peu de mouflette là, tu vois. Ok. Yo yo yo, y'a quelqu'un ou quoi? Merde, ça on a déjà vu. Lise, j'accroche.
Alors, on est reparti. Ça va être les problèmes, ça. Allez, les gars, pas une vague toutes les 3 secondes, parce que ça, c'est terrible. Pas une vague toutes les 3 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça serait adorable. Merci, merci. Ah, d'accord, c'est pas là. Superbe. Oh la vache. Amon ? Elle doit être dans les conduits du pont d'équipage. Ils abordent quelque chose. Assez, assez. Assez, j'ai dit. C'était le Monolith. J'ai reperdu le signal d'Amande. Trouve-moi cette balise de détresse. Je veux me tirer de ce putain de vaisseau. Ok. Yo. Il y a quelqu'un qui souffle là, non? Alors, tu rentres, Miskin. C'est bien ce que je pensais. Ok. Oh. Derrière. Ouais, mais les gars, les bruits comme ça d'hémoglobine à tire l'arigot, putain de merde. Dégueulasse. Ok, ça je l'ai pas passé. Oh la vache, sale ambiance ici. Ok, ok. J'ai déjà fusillé. Oh putain, ça me dégoûte. J'ai déjà fusillé littéralement la moitié. La fucking moitié de mon arme là, qui tire, qui est plutôt cool. Rien à foutre, hein. Sur un malentendu. Ah, je croyais que je pouvais le décoller. Sur un malentendu, c'est cassage de bouche. Bon. Oh la vache, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On reste focus. Ok. Merci. Ok. Allez, accueillez-moi à l'autre bout là, j'arrive. C'est long. Hein. C'est long, c'est que j'en prends plein la gueule. Ok. Sismoscope. Ok. Bien. Trois sismoscope. Ça a l'air ok, ça a l'air ok. Ah voilà, c'est une bonne soirée ça. Allez putain, Terry. Oh là, le grand rêve. Isaac. Ouais. Ouais, Magaté. Ah mais t'es là, bibiche. Quoi? C'est ma meuf sûre? Oh mon dieu, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je pensais plus jamais te revoir.
Je vais nous faire sortir d'ici. Il y a une balise de détresse pas loin. On va pouvoir demander de l'aide. La balise? Oui. Ils l'ont enfermée dans l'atelier, mais on pourra entrer avec les autorisations. Par là. What? Y'a rien qui se wash? Je peux déverrouiller l'atelier d'ici. Nicole! J'ai tellement de choses à te dire. Je sais, on aura le temps, je te le promets. Récupérons cette balise. Tout le monde compte sur nous. Ah, tout le monde, oh, on est plus grand monde, hein. Bien. Oh, on n'est pas obligé. Si, on est obligé. On a l'air obligé. On a l'air obligé. Allez, bibiche, hein. Ouvre-la ta putain de porte. C'est fait. L'atelier est ouvert. Je t'avais jamais vu faire ça. T'es un vrai chirurgien avec ce truc. Je suis là. Bon, comment je t'atteins maintenant? Non, concentre-toi sur la balise de détresse. Il y a des conduits de maintenance un peu partout. Je te rattraperai. Ok, bah c'est très sympa de ta part. Si t'en vois d'autres, tu te planques, ok? Je t'aime, Isaac. Je te le promets, tu vas y arriver. Remets les choses comme elles étaient. Et ne faisons plus qu'un. What? Bizarre ta dernière phrase, cousine. C'est pas très engageant? Non? Ça sent les problems? Viens, on va mettre ça là, hein, frère. Hein. Moi, je sais pas trop comment ça va se passer, tout ça. Hein. Ok. Hop, ça, on prend. Ça, je sais pas ce qu'il branlait là, lui. Mais écoutez, c'est un véritable plaisir. Un plan. Ok. J'adore les plans. Balise. Ok, j'adore les balises. Lancer la balise de détresse. Oh, le problème. Ok. J'adore les problèmes. Attends, faut que j'aille où? Ah bah ouais, c'est évident. Ça aurait été trop facile de faire mon truc. Comme tout ramène. Je vais bien. J'ai trouvé la balise de détresse. Nicole m'a aidé. Nicole est là? On a été séparés. Mais elle va trouver un moyen de revenir. Bon, on a été séparés, on n'a jamais vraiment été ensemble. Je retourne vers la salle de contrôle de forage pour envoyer la balise. Bon, qu'est-ce qu'il y a de Nicole? En espérant que le système ne foire pas à nouveau. Fais gaffe à toi. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très impressionnant. Ah, on a les problèmes. Ok. Là, il y a des dollars à Bicrave. Ah d'accord. Non en fait. Sortie d'une zone en zéro gravité. La télécabine, c'est le feu de fou. Ah d'accord. J'ai pas trop le choix en fait. Je pensais avoir un choix, un moment dans ma vie. Entrée en zéro. Il s'avère que non. C'est moi. Passer. Ok, ça c'est tout ce que j'ai démonté.
bien. Très bien. Il doit se casser, c'est ça. Bah, je vais me casser avec plaisir, putain de merde. Allez, on va même save. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Bah, tu vas rien faire, mon pote. Je me fais cracher dessus et je save en même temps. Tu vois, je suis partout, je suis multifonction, mon gars. Ok. On va s'arrêter là, juste dans la pièce suivante, les amis. Let's go. Sortie d'une zone en zéro gravité. Ok, les amis, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 14 de notre aventure. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien! À bientôt, tout le monde. Bye bye.